Écoutez le bruit de la pluie. Avez-vous déjà remarqué que le bruit de la pluie, c'est beau, c'est calme, alors que le bruit du soleil, c'est pas beau et c'est pas calme. C'est vrai. Ça fait du bien de prendre l'air. Avec la canicule qu'on prend en plus en ce moment dans la gueule, là, ça fait du bien un peu la pluie, là. Donc un peu d'eau dans mon café. Azote Vodka, 6 mois qu'il paye ses droits de scolarité comme un bon étudiant au campus de la Soltier Academy. Mais sachez que mettre étudiant du campus de la Soltier Academy dans votre CV, c'est quelque chose. Ça vous ouvre des portes, des opportunités. D'ailleurs, mettez-le aussi dans votre profil Tinder. Que vous soyez un homme ou une femme, en recherche d'un homme ou d'une femme, ou de deux femmes, ou de deux hommes aussi, c'est possible. Ça vous ouvrira des portes. Mais pas que des portes. C'est ça l'avantage d'être un étudiant en campus de la Soltier Academy. Alors qu'est-ce qui se passe du côté du chat? On va lire parce que en règle générale, le chat des étudiants du campus de la Soltier Academy, sachant que nous sommes un peu supérieurs à tout le monde, hein, c'est vrai. C'est des personnes qui, de par leur intellect, sur le chat, font preuve d'une maturité, hein, une ouverture d'esprit, hein, bien supérieure à ce qu'on peut trouver sur des chats de streamers Fortnite. Sans viser personne, bien évidemment, hein. Le chat est toujours propre et intelligent, bien sûr, nous dit Mini Truck, voyez-vous. Wesh, canne à pêche, nous dit Yesiam Kex. Banle-le, lui. Ouais, non, wesh, ça passe pas ici. Salut, tu peux lire mon message? Mais bien sûr, Toony Pins, bien sûr qu'on va lire ton message, ça nous fait tellement plaisir. Il paye ses droits, lui? Non? Merde, j'aurais pas dû lire son message. Merci à Couscous au bordel de la Playa. Merde, au bordel de la Playa. Au bordel, moi j'ai vu. Parce que t'as mis au bord de la Playa. Merde, je vais encore me faire engueuler. Couscous au bord de la Playa. Donc ce qui est honorable, hein, un couscous au bord de la Playa. Alors qu'un couscous au bordel, c'est risqué. Hein, je veux dire, bouffer des merguez dans un bordel, c'est beaucoup plus complexe. Ça joue? Ouais, joue ta mère. Ouais, ça va jouer, t'inquiète. All right, I'm gonna show you guys. I'm being pretty. Okay, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Couleur été, hein, on est dans un petit bleu azur, voilà quoi. Alors, je vais quand même me permettre de me lever en gonflant les pecs, hein, que vous voyez quand même que pendant le confinement, bon, j'ai pas, vous voyez quand même, tu vois, 36 ans, le bonhomme, tu vois, est toujours taillé comme un acteur de film porno, hein. T'as perdu des bras, 6-4. Comment ça, j'ai perdu des bras, espèce d'enculé? C'est un bras très sec, certes, mais ça va, hein. Et de l'autre côté? Regardez ça. Faites pas chier, merde. Vous êtes mieux, vous? Hein? Déjà, on attaque comme ça? Au bout de 10 minutes, là? Et on est déjà dans le jugement, c'est ça? Merde! Tu joues quand? Ta gueule, toi! Le streamer qui pète la gueule. On va lancer Valorant, hein? Voilà, ça va nous reposer. 6-4, t'es joueur ou coach Youngtis? Non, mais sérieusement, mais t'as vu ma gueule ou quoi? J'ai une tête de coach ou quoi? Tu veux savoir comment il faut devenir coach? En fait, un coach, c'est un mec qui adore le jeu vidéo sur lequel il est. Mais qui est gold, voilà. Il a jamais dépassé le stade de truc et il est gold. Tous les machins sont gold. Donc du coup, tu vois, le mec il se dit, bah moi je suis une burne. Voilà, dans les jeux vidéo, je suis une burne, j'y comprends rien à jeux vidéo. Donc du coup, le gars il se dit, hé, je vais faire des PowerPoint. Et donc du coup, il arrive, tu vois, attendez, moi je suis. Il change sa Twitter bio. Important. Coaching mental. Voilà. Et tac. Il s'habille différemment. Petite chemise. Hein, il se laisse pousser la barbe. Il met une casquette, un truc qu'on le reconnaisse parce que souvent il est dans le fond, on le voit pas avec les joueurs. Des petits screenshots. Oui, on va faire de ces stratégies et tout, machin, truc bidule. Les joueurs sont cons. Donc du coup, ce mec arrive et il se dit, putain, hé, il est coach, il faut qu'on le prenne. Ah bon, comment tu sais? Il a des PowerPoint, mec. C'est le seul mec que je connais qui a payé une licence Microsoft Word PowerPoint. Et c'est comme ça que tu reconnais un coach. Demon sur Overwatch. Non, mais on va pas commencer à parler d'Overwatch, on parle d'e-sport. Enfin, c'est vrai que peut-être que vous connaissez pas le channel de la Soltier Academy, hein, c'est marqué. Mais bon, ici, en règle générale, on parle vraiment d'e-sport, quoi. On parle de CSGO, de Rainbow Six, de League of Legends, de Dota, de Valorant, etc. Les jeux mobiles, comme Overwatch et Fortnite, on n'en parle pas. Je lance pas un drama, hein. Pas du tout, bien sûr, vous me connaissez. C'est pas du tout mon avis. Overwatch, je pense que c'est un jeu qui a été justement inventé pour les coachs, en fait. Ils se sont dit, tiens, on va vous faire un jeu où c'est pas trop dur de tirer. Vous respawnez tout le temps, bon, ça va. Vous ne serez pas frustré. Tiens, tous les coachs, ils sont mis. Hi, Evie. We're for Premade, man. Where are you from? Palestine. Where? Pakistan?
Palestine. Okay. Wow, and you're on European servers? Yep. Okay. There's no Middle East servers. There is no Middle East servers? Okay, I didn't know that. Il faut small talk, tu vois, déjà, là, je lui dis, avant, vous n'avez pas de serveur en Middle East, etc., tu vois, je small talk. Ouais, je vous explique la psychologie de jouer avec des randoms. Là, il sera beaucoup plus enclin à faire ce qu'on lui demande. Plus qu'un ennemi. Bon, bah, derrière. C'est vrai que... Where's gone, guys? Fuck, il est... Fumigène lancé. Des smokes, eh? No, it's me. It's fake. Nothing. It's me. No one cross here. B, devant le B, hein. Putain. Il a pêché Tomo, il est mort. Non, laissez, rentrez pas, j'ai l'ulti. Que les cieux s'ouvrent. T'as une blague. Molotov. Plus qu'un ennemi. Bon jeu. Last guy was A long at the start. Not sure where he is now. Let's go. Ne rentrez pas comme ça, laissez les off, on les défonce. Ouais, j'ai une flèche en plus, genre... Ouais, grave. Ça, faut qu'on arrête de vouloir rentrer et cross les... On les laisse planter. Hygiène lancée. Ok, y'en a un devant la window. Un mort. Yuki, je vais le visager avec toi. Il y a un piège. Ça déclenche en B, je crois. I'm smoked. En B, y'en a. Mort B, middle. Mort middle. Nice. Je flash, je reprends le mid. Mort middle. Je push. Parfait. Voilà, je vais pas les flash. Ouais, je suis full. Attendez, c'est moi la flèche, les gars. Mika full si. Faites gaffe, les gars. Si, Echo. Nice. The last one was there too. Nice. C'est moi la smoke. Okay. Il y a la sienne aussi. Mais ils peuvent être derrière. Ouais, smoke. Si. Sage, à gauche, tout de suite pour toi. Je sais exactement où vous êtes. Je vais reprendre la double porte. Ils vont nous faire du rush. Là, c'est le seul truc qui passe, visiblement. Donc on garde notre sang-froid et on fera des boritech. Ska, t'essaies de jouer le A, comme ça tu prends l'orbe. Ton pote, il est long. Comme ça, t'as tout gagné. Pas faux. Mais non, putain, porte. Ah, c'est qui? Fumigène lancé. Ouais, bi. Oh, c'est dur. Plus que 30 secondes. Ils poseront pas. À gauche. Plus qu'un ennemi. Ouais, c'est grave. J'ai mon ulti, hein. Et ils ont pas... Il a l'ulti de Brimstone au middle. Faudrait peut-être déclencher à la limite sur un truc middle, juste pour déclencher l'ulti de Brimstone qui va forcément balancer. Et derrière... On fait une B en deux coups, quoi. Oh, je peux drone porte, moi. I'm gonna drone, ok. Il est derrière. Lobby, 1. J'ai besoin d'aide. Lobby, 1. Contact à gauche ou derrière la caisse. Ah, non, t'as... Je suis à la web. Mort. Bien, let's go. We can go. Hey, let's go. Je vais tout envoyer, les gars. Let's go. Back. Let's go. Tu peux. Rez, il l'a qui hier. Il est côté C. Nice, let's go. Je pense que qui est dans le mal chez eux. 10-17, c'est le C. Le C et le A. Hein. Faudrait aller en A, je pense. Vraiment. Si on se fiche juste au fait que le Sova, il fait rien du tout. Hein. En A, let's go. Hein. Ouais, je vais m'infiltrer. Kyuki en B. Je te lis, gros. J'y vais au déclic en A. J'y vais au déclic. Tiens la double door. À gauche, il est mort. Derrière, mort. Arrête ça, les gars. Derrière, il l'a vu. Parfait. Nice, c'est un monstre. Hein. Let's go. Je déteste Fortnite. Et je déteste aussi les streamers qui, pendant qu'ils disent un truc, pensent l'inverse. Tu vois ? Ça, c'est un truc qui m'horripile au plus haut point, en fait. Voilà, ça crache sur Fortnite. Puis après, ça suce, quoi.